C'est une grande joie de vous recevoir pour ce lancement officiel de la BD des Impatients. C'est le fruit d'une collaboration de plusieurs mois avec mon complice Mario Malouin, BDiste professionnel qui a coordonné ça vraiment de main de maître. Un grand merci à Unibri parce que ce projet-là n'aurait pas pu être possible et il fait en sorte que dès maintenant, à chaque fois que vous achetez une bande dessinée, c'est un investissement direct, complet, dans le maintien de nos ateliers aux Impatients et le développement de nouveaux ateliers en province. Il est tout naturel pour le groupe Unibri de contribuer au lancement de cet album qui valorise la reprise en main des personnes qui ont connu ou connaissent des problèmes de santé mentale. Bravo à tous ceux et celles qui ont contribué à la réalisation et à la commercialisation à succès de cette bande dessinée. Félicitations! Je me retrouve ici ce soir, avec vous autres, pour incanter des planches de bande dessinée. C'est extrêmement touchant parce qu'en plus, donc c'est pour une bonne cause, et c'est extrêmement touchant de voir le travail, l'acharnement, hein, Mario, de vouloir rassembler tout ce monde-là et de faire en sorte qu'on a ce travail-là devant nous ici ce soir. Alors, on part ce lot-là à 500$. Est-ce que je laisse 500$ pour cette planche-là? Et là, montrez-moi votre chiffre. Là. J'ai 500. Merci. J'ai 500$. Merci, monsieur, de commencer cette soirée. Dans le temps de commencer. J'ai 750. Est-ce que j'aurai 800? J'ai 750$ une fois. Est-ce que j'aurai 800$? Je m'excuse de m'énerver, mais j'ai vu ça même à la TV. J'aurais 800. J'ai 750. Est-ce que j'aurai 800 pour cette planche-là qui est formidable? Est-ce que j'aurai 800$? Je finis pas à veiller, moi. Mario Malouin est coordonnateur du projet Un moment d'impatience. Mario, on compte la planche à 500. Tiens donc. J'ai-tu 500 pour cette planche-là? Est-ce que j'aurai 500 pour la planche? Mario, qui est avec nous autres, j'ai-tu 500$? 550. J'aurais-tu 600? J'ai 550 une fois, est-ce que j'aurai 600? J'ai 900 une fois. Est-ce que j'aurai 950, monsieur? Vos amis qui parlent tout, hein? Ça marche-tu, ça? Hein? Ben oui, cotisez-vous, bateau. J'aurais-tu 950? Monsieur Rodier a œuvré notamment pour la revue Safari. Mais c'est sur le marché du comic book américain qu'il s'est fait remarquer. Il a travaillé sur Batman, Captain America, Wonder Woman, Star Wars et surtout Superman. Il a entre autres collaboré au célèbre Death of Superman, comic le plus vendu de l'histoire. J'ai 1000, est-ce que j'aurais 1100? J'ai 1000 une fois, est-ce que j'aurais. J'ai 1100! J'ai 1100! Hey, je vous aime les deux madames, là, vous savez. J'aurais-tu 1200? J'ai 1100 là, j'aurais-tu 1200? 1200! J'aurais-tu 1300? J'ai 1200 là. Hein, j'aurais-tu 1300? Hey, fatigante, hein, c'est fatigante. J'aurais-tu 1300? 1300! J'aurais-tu 1400? J'ai 1300 là. J'aurais-tu 1400? 1400! J'ai-tu 1500? 1500! J'ai-tu 1600? J'ai 1500 là, j'ai-tu 1600? J'ai 1500 là, j'ai-tu 1600? Hey, c'est une chose de tennis, c'est dans la mouvement. J'ai 1500, j'ai-tu 1600? 1600! J'ai-tu 1700? J'ai 1600 là! J'ai-tu 1700? J'ai 1600! J'ai 1600 une fois! J'ai 1600 deux fois! J'ai-tu 1700? J'ai 1600! Trois fois vendu, madame! Bravo!
faire le tirage en fait de l'œuvre commune. Donc j'ai demandé à M. Malouin de sélectionner un heureux gagnant. M. Richard Turgeon. M. Turgeon, félicitations. Merci. Et voilà. Donc une œuvre unique en son genre.